Très bien, presque prêt. Souriez! Notre famille est tellement géniale. Maman, papa, moi et Gabriel. Oh! Maman, papa? C'est encore toi? Nananananer! Maintenant, je suis ta nouvelle famille. Tu devrais être reconnaissante que je t'ai pas mangé en premier. Oups! Chérie? Salut, chérie! Quoi de neuf? Ne l'appelle pas chérie! Super! C'est pas possible! Oh, t'as vu l'heure? Il faut qu'on y aille. Lève-toi, chérie. Au revoir, mon amour. Bonne journée. Tromptrick. Maman, regarde, il a disparu. Bébé, ce n'est pas ton papa. Arrête d'inventer des choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, parfait. Ils ne le sauront jamais. Je le savais. C'est vraiment un vampire. Maman, on le voit là. Il a caché ses crocs dans le placard. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je n'ai rien à cacher. Ce ne sont que mes vêtements. Je suis désolée, Gabi. Bébé, arrête ça. Qu'est-ce qu'elle est agaçante. Je vais devoir changer ma réserve de vampire. Personne ne te trouvera, ma précieuse. Kat s'évanouirait. Ne l'effrayons pas pour l'instant. On va avoir besoin de plus de protection. Tromptrick! Je dois m'occuper de cette fille. Ah ah! Si je le dénonce, Kat reviendra avec moi. C'est verrouillé. J'ai une idée. Où est-elle? Oh, c'est un peu lugubre ici. Waouh, c'est ce que je cherchais. Oh ouais! Mettons-nous au travail. Pas d'intrusion! Partez! Qui est là? Je suis ton cauchemar! Et j'ai rien fait! Et tu ne feras rien! Je crois que j'ai des ennuis. S'il te plaît, ne me fais pas de mal! Ok, essaye ça! Ouais, ce coin, ce vieux os! Tu aimes l'air? Des bonnes vibes, merci! C'était moins une! Finissons-en! Quoi? C'est impossible! Qu'est-ce qu'il fait ici? Le bébé avait raison! C'est un vampire! C'est ma chance! Où est la clé? Il y a tellement de poches! Psst, ça chatouille! Je l'ai trouvé! Oups, désolé mon pote! Enfin! Je l'ai! Oh, c'est trop fort! Hein? Ok, il est temps de le dénoncer! Et voici une autre preuve! T'as pas besoin de sourire! Et hop! Maintenant ils vont me croire! Oups, pas si vite! Ça va t'arrêter pour un moment! Tu sauras comment briser les familles, suceur de sang! Maintenant, Kat va certainement revenir avec moi. Chérie, j'ai une surprise! Thomas, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, toi! Je dois la voir! Il cause des problèmes! Papa, t'es de retour! J'ai un cadeau pour toi. Si quelque chose m'arrive, tu le donnes à maman, d'accord? C'est une clé de cachette pour vampire. Il utilise une étagère secrète dans sa commode. Ça suffit! On n'a pas besoin de ton aide! Pars! Non, je dois voir ma femme! Hé! Hey, j'appelle les flics! De quoi tu parles? C'est pour toi, mon amour. Tu te souviens? Merci, mon chéri. Je sais tout de toi. Oh, ces enfants. Waouh, cool! Si j'ouvre sa cachette secrète, ma mère me croira certainement. Tromptrick! Ça a marché! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, des chauves-souris! Ça suffit! Qu'est-ce qui se passe? À l'aide! Papa! Quoi? D'où vient ce bruit? Il y a assez de place pour toi à l'intérieur! Oh non! Chérie, ça va? C'était quoi ce bruit? Je crois que j'ai entendu quelque chose. De quoi tu parles? Je suis juste en train de répéter ma représentation pour Broadway pour bientôt. J'adore le jazz, quel bon morceau! Ce sera une ovation, chérie. Est-ce que t'as vu le bébé? Non, seulement ma musique. Les gars, vous savez où est ma fille? Écrivez dans les commentaires. Je m'inquiète pour elle. Elle lui a déjà tout dit et maintenant Kat va devoir me pardonner. Ok, c'est le moment. Eh, c'est moi! Encore? T'as pas compris la première fois? Laisse-moi entrer! Aujourd'hui, c'est la fête des pères! Quoi? D'accord, entre. C'est mieux.
Quel idiot. Bonjour, Kat. Chérie, c'est pour toi. Waouh, tu es si galant. Mais ce sont mes fleurs. Tu peux les mettre dans un vase. Le bébé t'a pas dit? C'est un vampire. Comment peut-il être un vampire? T'as perdu la tête? Je vais te démasquer. Et voici la preuve. Ce ne sont que des photos d'un cercueil. C'est lui. Tu crois que Gabriel est un cercueil? Quoi? Il était à l'intérieur. On voit pas les vampires sur les photos. Peut-être que tu es juste fou. Écoute et obéis. Oui, mon seigneur. C'est délicieux. Chérie, appelle une ambulance. Thomas se sent mal. Bon, garçon. D'accord, je m'en occupe. Occupe-toi de lui. Qu'est-ce qui se passe? Encore ce bruit? Ça vient de derrière le mur. Maman, je suis juste là. Au secours! Elle ne m'entend pas. Oh, je peux l'utiliser. Avec ces gobelets et ce carton coloré, je peux envoyer un message à ma maman. Et alors, elle me sauvera certainement. Aide-moi! Je suis derrière le mur. S'il te plaît, dépêche-toi! Maintenant, on plie la lettre et on l'envoie avec cette fusée directement vers maman. La touche finale. Troum trick! Oh, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Un mot? C'est l'écriture du bébé! Aide-moi, je suis derrière le mur? Quoi? Y a pas une minute à perdre! Mais derrière quel mur est-elle? Pauvre bébé, j'espère que je vais pouvoir la retrouver. Je me fais tellement de soucis pour elle. Ne pleure pas, on va la retrouver. Mais pas aujourd'hui. J'espère qu'il se passera rien de grave. Chérie, crois-moi, tout ira bien. J'ai vraiment envie d'y croire. Et je n'y crois pas. Peut-être que quelqu'un l'a déjà retrouvée. On ne peut pas s'arrêter. Bébé, reviens! Maintenant, le temps se gâte. Oh non! Sèche tes larmes. Merci, mon chéri. Tu dois te détendre. Mais je peux pas. C'est dégoûtant. C'est quoi ça? La morve? Dark. Ça suffit pour aujourd'hui. Peut-être qu'elle est déjà à la maison. Il fait si froid. Je me sens pas très bien. Tu dois t'allonger. T'as de la fièvre. Aouh! D'un autre côté, c'est une bonne nouvelle. Tu veux du pop-corn? Merci, ma chérie. T'es la meilleure. Pourquoi t'es assis ici? Va chercher le bébé. Oh, ça fait mal. Allô? Oui, j'ai besoin d'un médecin. Oh, vous êtes si rapide. Le déguisement est prêt. Je suis là, madame. De quoi vous plaignez-vous? Laissez-moi vérifier. Respirez à fond. Respirez. Retenez votre respiration. C'est quoi ce bruit? C'est suspect. Je crois que c'est ici. Je suis là! Jessica? C'est fort! Ouh, j'ai compris! Encore ce vampire! Docteur, qu'est-ce qui va pas chez moi? N'ayez pas peur! Je vais vous sauver, vous et votre fille! Je vais le démasquer! Quoi? Je commence à avoir faim! Mais pas maintenant! Ah, donne-le-moi! Oh. Je dois y aller! Ah, c'est mieux! Qu'est-ce qui va pas? Docteur, vous pouvez l'aider? C'est au-delà de mes pouvoirs. C'est pour vous. Oh ouais, le sang est comme un nectar. J'en suis si proche. Mais pas à ce point. Et une discothèque. Il est toujours comme ça. Allez les vieux, on danse. Oh ouais. Madame, où est-ce que vous l'avez trouvé? N'en parlons pas maintenant. Oh, d'accord. Je vais laisser ça ici. Oh ouais, verse-en encore. Oh, je peux plus faire ça. Le jus de tomate est bon pour le rhume? Du sang! Alors c'est juste du jus de tomate? Je crois qu'ils n'ont aucune idée de qui je suis. Rétablissez-vous vite et contactez-moi si quelque chose arrive. Passez une bonne journée. Oh. Comment va le bébé? Hey, laisse-moi sortir! Tout va bien. Il est temps de donner une leçon à cette parvenue. Quel sera le meilleur cadeau pour toi? Peut-être des chauves-souris? Oh non! Qu'est-ce que c'est? Elles sont dans mes cheveux! Merveilleux! Et maintenant, un mini ouragan! Ah, elles sont envolées! Mais c'est quoi? À l'aide! Waouh, pourquoi je l'ai pas vu avant? C'est ma chance! Je dois l'utiliser! C'est rouillé! Ça marche pas!
Attends, il y a une serrure. Elle s'ouvre avec des likes. Les gars, aidez-moi à sortir. Il suffit que vous aimiez cette vidéo et je serai libre. Wouhou, vous êtes géniaux. Merci beaucoup. Phew, je suis sortie. Oh non, c'est triste que le docteur n'ait pas de sang, j'en boirais bien. Exactement, ça pourrait marcher. Si j'ajoute un peu de sang à son café, il ne pourra plus cacher sa vraie nature. Ouais. Ce café sent si bon. Quoi? C'est pas possible. Du sang. Papa avait raison. Je suis le seigneur de la nuit. Il m'a remarqué. Je dois le dire à papa. Quel est le code? Allô? Dépêche-toi, il est là. Oui, ma chérie. Je l'ai. J'arrive dans une seconde. J'ai réussi. Où est-il? Oh non! Papa! Qui a fait ça? Tu vas le regretter, Jessica. Dis adieu à la vie. Il est si effrayant. Et toi, ne t'avise pas de toucher à ma fille. Je te laisserai pas faire. Prépare-toi, tu vas avoir des ennuis. Prends soin de tes crocs dans tes... Prépare le cercueil. Te voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Éloigne-toi d'elle ou je te brûle. Coup de pied à l'ail. Pour qui tu te prends? Tu crois pouvoir me battre? Tu ferais mieux d'abandonner maintenant. Ça suffit. Tire sur ta famille. Kat! Oh non! Ça te va bien? Wow, Kat, qu'est-ce qui va pas chez toi? Où sont tes jambes? Je sais pas! Je te pardonnerai pas ça, le vampire! Oh! Oh non! Stop! Oh non! Gabi! Chérie, tu vas bien? Reste éveillée! Le pauvre! Thomas, nettoie ce désordre et tout de suite! Puisque tu insistes. Allons-y, Jessica. Maman est de mauvaise humeur. Phew, quelle journée. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Oups, ne te laisse pas distraire, Thomas. Chérie, t'es blessée? Ça suffit, je m'en vais. Encore toi? J'en ai assez. Je voulais te demander... Tu irais au cinéma avec moi, au dernier rang? Bien sûr, mon chéri. Avec toi, même au premier rang. Bonjour. Ouais, pas si vite, les vampires n'ont pas le droit d'entrer ici. C'est le règlement. C'est tellement triste. Ok, à plus. Stop. On veut pas de siège mouillé ici. Attends, je vais m'en occuper. Hé, doucement, doucement. Tu ne te mettras pas en travers de notre chemin, fille mortelle. La voie est libre, chérie. Allons-y. Tu sécheras les sièges. Un film si cool. On le regarde encore. Oh, j'ai oublié quelque chose. Eh, merci d'avoir joué le jeu. Pas de problème. Merci. Voyons la suite. C'est l'heure de la coiffure. Je crois que j'ai vu une astuce sur YouTube. Je vais montrer ça à ma chérie. C'est trop cool. Est-ce qu'on peut faire la même chose? Essayons. Si tu es prête, j'allume l'aspirateur. Passons aux choses sérieuses. D'abord, on met tous les cheveux en chignon. Tiens ça. Cool. Ne bouge pas. Je vais tout faire maintenant. Oh, où est-elle allée? Hé, hey, t'es là? Bébé! D'abord elle, maintenant mes lèvres! Chérie, qu'est-ce qui se passe? C'est cet aspirateur! Comment ose-t-il? Ça suffit! Je le défie en duel! Éloigne ton coffre de mon amour! Machine diabolique! Je vais te montrer comment draguer ma femme! Prends ça! Un vampire, t'es si mignon! Chérie, ça va? Oh, waouh! Tu aimes mes cheveux? Oui, c'est très élégant. Laisse-moi juste les tresser.
Ça fera un super combo. Merci, c'est tellement beau. J'ai l'air tellement différente. C'était un combat difficile. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Je suis le champion de lutte du salon. Wouhou! Et la seule chose qu'Ursula leur a donnée, ce sont des flocons d'avoine. Arrête, mais c'est quel genre de monstre? J'ai peur! Sauve-moi! Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? Cette terrible Ursula, elle est là! Tu n'as rien à craindre. Allez, ne fais pas ton trouillard. Tu es un vampire. Ouais, t'as raison. J'ai quelque chose pour toi qui t'aidera à t'en souvenir. Quand tu porteras cette cape, tout le monde aura peur de toi. Tu comprends? Sois courageux et audacieux. Super! Maintenant, je suis un vrai Sigma. Cool! Tape là! Pour qui tu te prends? Bien. Bah les pattes! D'accord, d'accord, j'ai compris. Me touche pas. Ok, c'est mon garçon. Bien, bien, bien. Nettoyons. Chérie, veux-tu m'épouser? Maintenant? Je suis pas prête pour ça. Quoi? Après tout ce qu'on a vécu? Je te conjure de dire oui. Ça ne marche pas sur moi, ça. Les gars, si vous pensez que je devrais dire oui, aimez cette vidéo. Tu vois, Vamp? Oh non, les gars, je vous en supplie, likez cette vidéo. La sirène est mon amour. Merci. Waouh, ok. Oui. Tu ne le regretteras pas, chérie. Laisse-moi te serrer dans mes bras. Waouh, félicitations. Ah, j'ai hâte d'être en lune de miel. Maintenant qu'on est mariés, on partage toutes les tâches ménagères. Oh, je suis trop cool. Est-ce que c'est légal? Eh, je veux aussi cette cravate. Oh, s'il te plaît, donne-la-moi. Arrête maintenant. Donne-la-moi ou je t'étrangle. Ok, ok, d'accord. On va d'abord la personnaliser. Cette cravate sera magnifique. Ajoutons des chaînes. C'est magnifique. Et quelques détails. Cette dentelle noire ajoutera de l'aristocratie. Et un cadeau de ma part. Maintenant, elle est à toi. Non, non, tu peux pas porter ça avec ces vêtements. Tiens, maintenant tu es un vrai vampire. Et je vais prendre celle que je portais quand je travaillais au bureau. T'as l'air tellement stupide. Ça fait 3 ans que je suis comme ça. À l'école, tout le monde sera fou de moi. Je suis super élégant. Tu es si romantique. Seulement avec toi. Maman, c'est pour toi. C'est gênant. Oh chérie, c'est trop mignon. Regarde, elle est si douée. Papa, c'est pour toi. Regarde. Tu répètes juste après moi. J'aime plus maman. Non, j'aime plus papa que toi. Oh, t'es une vraie poule mouillée. Les gars, écrivez dans les commentaires. Qui vous aimez le plus, maman ou papa? Qu'est-ce que je devrais écouter? Hein, maintenant, tu n'auras plus rien à écouter. Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est mieux. Qu'est-ce que t'as fait? T'as perdu la tête? Laisse-moi tranquille. T'es chelou. Stop! Maman, regarde ce qu'il a fait à mes CD! T'imagines? Donnez-moi. J'ai une idée. Juste un peu d'imagination. Qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est trop cool! Maman, merci! J'ai hâte de jouer avec. Oh, fais rouler ici! Ok, attrape! Waouh! Je suis si heureuse que vous ne vous battiez plus! Troum, trick! C'est trop cool, papa! Bien sûr que oui! Qu'est-ce qu'il me reste encore? Voler est aussi sur la liste! C'est le moment! Chérie, regarde ce que j'ai! C'est si dégoûtant! Tu les as cuisinés toi-même? Ils ont l'air plus savoureux qu'ils ne le sont! Allez, mon amour, mange! Elle veut m'empoisonner ou quoi? Si les ballons volent, alors je peux le faire aussi! Je vais les attacher à moi! Wow! Quoi? Papa, à l'aide! Attends, je sais!
Allez, les étoiles filantes! Je t'ai eu! Tu m'as fait peur! Fils, tu es un vampire! Tu n'as pas besoin de ballon! Tromperie! Deviens une chauve-souris et bats des ailes! Ok, j'ai compris! Merci! Enfin, il n'y a plus que toi et moi! C'est pour toi! C'est quoi ça? Des boucles d'oreilles? Pourquoi sont-elles différentes? Quand je l'ai acheté, c'était un collier! Chérie, t'as vu le collier de ta mère? Non? Quelle petite fille méchante! Chut, chérie, ne t'inquiète pas, tout va bien, tu dois te détendre. Ouh, je vais mieux. Ça suffit. Bébé, donne-le à ta mère. Transformons ce joli haut. On ajoute du tulle. Et on utilise les parties restantes de mon collier. C'est merveilleux. Alors, tu veux l'essayer? C'est magnifique! Je te remercie! Donne-le-moi! C'est pas un jouet! Cette tenue montre à quel point je suis douce et gentille! J'adore les rénovations! Maman, je peux t'aider? T'es prête? Toujours prête! Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me peins? Quel beau rouleau! Je sais comment on peut l'utiliser! Troum trick! Suis-moi! J'espère que tu te souviens de notre liste! Une vraie sirène doit avoir des écailles! Qu'en penses-tu? Waouh, c'est trop cool! Je savais que tu aimerais! Maintenant, le visage! Non, 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 non! Pour le visage, on a du maquillage! Plus vite, s'il te plaît! Excuse-moi! On t'a fait une farce! Ok, garçon, va voir ton père! Revenons à ton maquillage! Sois sérieuse, s'il te plaît! Nettoie d'abord ta peau! Tes pores respireront à nouveau. Super! Prête? On vient de commencer. Waouh, je suis si belle! Cool, hein? Oh ouais, maintenant je suis irrésistible. On reprend le jeu. Et on a une queue. Comment avons-nous pu l'oublier? Faisons-la maintenant. Où est-ce que je l'ai mise? Elle était tout en haut! Oh, je l'ai retrouvée! Regarde, ma chérie, c'est ma queue de balle! Elle sera parfaite pour toi! Qu'est-ce que t'as là? Quoi? Maman? T'étais une intello? Qu'est-ce qu'il y a de drôle, là? J'arrive pas à y croire! C'est toi? C'est pas drôle! Vous trouvez que j'étais drôle? Regardez votre père! Oh, waouh! Toi aussi, t'étais un intello! Y'a rien de drôle là-dedans! Chérie, te vexe pas! Bébé, essaye! Papa sera très bien pour le dîner! Montre-toi! Maman, c'est incroyable! Comme toi! Bonne nuit, mes petites crapules! Les petits voyous! Exactement ce que je cherchais! Il ne se doute de rien! Troum trick! Vous oublierez que vous étiez un vampire et une sirène! Et personne ne vous aidera! Qu'est-ce qui se passe ici? Nos enfants! Oh non, il faut courir! Chérie, regarde-les! Maman, qu'est-ce qui va pas chez nous? J'ai peur! Chérie, écoute, je crois que je sais ce qu'il faut faire. Prends ça, Kat! Oh ouais, suis-moi. Fils, veux-tu être comme moi? Ouais. Quel cauchemar! On n'est pas un loup-garou pour se promener avec des griffes comme ça. Voici les ongles d'un vrai vampire. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Qu'est-ce que tu veux dire? Oups, je me suis trompée de main. Les voilà, c'est cool, hein? Tu veux avoir les mêmes ongles? Je peux le faire moi-même. Ne tranche pas les ongles. J'ai un gadget spécial. Très hygiénique. C'est la meilleure invention depuis la lime à ongles. Merci, papa! Pas de problème, mon pote. On a une longueur d'avance. Ok. C'est brillant! Que dois-je choisir? Je crois que j'ai trouvé la perruque la plus originale. Ça me quitte pas des yeux! C'est tellement collant! C'est dégoûtant! Mon visage! Sors d'ici!
il est si susceptible. Cette coiffure ne me va pas du tout. Je fais qu'empirer les choses. Viu! Enfin, je l'ai enlevé. Eh, t'as besoin d'aide? Et comment t'as fait? Cette coiffure est un casse-tête. Tu ne peux pas te promener comme ça. Kat va penser que c'est moi qui ai fait ça. Que faites-vous ici, mademoiselle Anchois? En fait, c'est ta fille. Mais qu'est-ce qu'elle a? Tu t'es enroulée autour d'une hélice? Je suis désolée, c'est ma faute. Oh, mes crocs! Chérie, on va arranger ça maintenant. Ou du moins, on va couvrir. Super, ça me va très bien. Oh, et les tresses aussi? Oui, ce gadget fera de toi une beauté très rapidement. Et sans casse-tête. Et on utilise une épingle à cheveux. Ok, ton nouveau look est prêt. Merci, maman. Ça te va vraiment bien. Je suis la meilleure. Quoi de neuf, mon pote? Je veux voler. C'est trop tôt, mais on peut essayer. Regarde ce que j'ai. Waouh, c'est trop cool. Ce sont mes ailes de bébé. Je ne les ai pas vues depuis si longtemps. Essaye. Waouh. Bien sûr, papa. Après, je pourrai voler. Oui, pas besoin de cercueil pour l'instant. Je reviens tout de suite. Et je vais m'entraîner. Waouh. Oh, mais ne vole pas trop haut. J'ai une licence pour ça. Est-ce que j'en aurai une aussi? Il faut d'abord que tu réussisses l'examen à l'école des vampires. D'accord, voyons ce qu'il me faut d'autre. Une queue. Peut-être que je devrais la faire moi-même. C'est facile. Exactement comme je l'ai dit. Et j'ai besoin d'une nageoire. Attends, je pense qu'une nageoire fera l'affaire. Deux, c'est trop. Maintenant, j'ai une vraie queue. Maman sera très fière de moi. Je vais y aller. Waouh, elle a toute une collection. Je pense qu'elle ne verra pas d'inconvénient à ce que j'en essaye une. Oh, je suis comme un thon en boîte. Enlevez-moi ça. Chérie, t'es là? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est ma queue. Attends un peu. Pablo, t'as attrapé le voleur? Je suis là. Chérie, mais comment c'est arrivé ici? Sors d'ici. Dis-moi, pourquoi t'as fait ça? Je voulais être comme toi. Et maintenant, je suis coincée ici. Ok, chérie, je pense qu'on peut arranger les choses. Tu es prête? L'air chaud va faire rétrécir la queue et la faire passer à ta taille. Maintenant, ajoutons un peu de personnalité. Troum trick! Si belle! Merci, maman! C'est pas tout! Je pense que ces manches élégantes iront très bien avec ta nouvelle tenue. Appelons ce style grunge océanique. Ça te plaît? Et bien sûr, les décorations marines! Fabuleux! Ouais! T'es la meilleure! Je suis parfait! Je veux la même coiffure! J'espère que j'y arriverai! Oh, le gel de papa! Je me demande si c'est magique! On mouille les cheveux et on passe au coiffage! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Attends! Ouh, les cheveux sont toujours là! Je commençais à m'inquiéter! Oh non! Le sèche-cheveux n'a pas aidé! Chérie, tu peux venir ici? On doit sécher les cheveux! Je peux pas le faire sans toi! Tu peux nous aider? Pas de problème! Typhon! Wow! C'est trop! Fils, ça va? C'est comme si j'étais sur des montagnes russes! Chérie, c'est bon, il est sec! S'il te plaît, arrête! Encore une fois? Félicitations! Wouhou! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un! Joyeux anniversaire, chérie! Je veux des cadeaux, je veux des cadeaux! T'as fait un vœu? Tu peux souffler les bougies? Je peux pas! Je vais t'aider! C'est pas ton anniversaire! Essaye encore et encore! Vas-y! Wow, je crois que t'as perdu quelque chose! Room trick! Et voilà, parfois je suis la fée des dents! Tiens, voilà un cadeau!
Chérie, apporte les boissons. Je reviens tout de suite. Où sont-elles? Oups, si maladroit. Tu viens? Je suis un peu nerveux. Oh! Dépêche-toi. Oh, allez! J'ai l'impression que je fais qu'empirer les choses. Gabriel, qu'est-ce qui prend autant de temps? Je fais ce que je peux. Ok, ça ira. Qui veut boire? Servez-vous, les gars! C'est quoi cette odeur? J'aime pas non plus. Peut-être qu'il faut inverser. Je te demanderai plus jamais rien. Essaye maintenant. Pourquoi est-ce que tu gâches tout? Miam! Ah, attends, c'est une sucette? Tu ne peux pas avoir de bonbons. Rends-la-moi! Ne siffle pas ton père. Qu'est-ce qui va pas avec tes dents? Il faut travailler les crocs. On a hâte que les nouveaux poussent. J'ai une idée. Ce dont on n'avait pas besoin va nous aider. Colle les crocs sur la sucette. Tu auras un masque avec des crocs. Waouh, c'est une idée géniale! Je vais montrer ça à maman. Maman! Aie peur de moi! Oh, ne me fais pas peur. J'aimerais que tu puisses te voir. Oh! Pourquoi? Chérie, regarde notre checklist. C'est l'heure de se maquiller. Je pense qu'on peut gérer ça facilement. Hé, qu'est-ce que tu fais? Maman, arrête! Je vais le faire moi-même. Tu vas tout gâcher. Je suis pas un bébé. Arrête! Arrête tes blagues. Tu... Oh! Ça suffit de faire des bêtises comme ça. J'ai une idée. Pablo, j'ai besoin de ton aide. Je te le rendrai, c'est promis. Le porte-téléphone est prêt. Décorons-le un peu. Voilà, c'est prêt. Regarde, Troom Trick a une nouvelle vidéo. Waouh, une télé dans le miroir. Trop cool. Ça a marché. Commençons par les sourcils. De la poudre. Regarde-moi. Waouh, si belle. Merci. Ce maquillage te va vraiment bien. Hé, fils, viens ici. Ton look de vampire a besoin d'un détail supplémentaire. Troom Trick. Non, ça marche pas. Et ça? Et ça, ça vient d'où? Ok, je vais le faire moi-même. Il nous faut du tissu blanc et de la dentelle. Assemble le tout et plie. La collerette du vampire est prête. T'es prêt? Attends une minute, j'allais oublier les décorations. Coller avec un pistolet à colle. Waouh, c'est magnifique. Ça fait beaucoup plus aristocrate. C'est bon. Tu peux y aller. C'est l'heure du dîner. T'es sûr que je vais devenir immortel? Gabriel, enlève ça de la table. T'as oublié qu'on ne mange pas dans le salon. On se voit dans la cuisine. Sors d'ici. Chérie, je laisse pas de miettes. Quel est le problème? Le problème, c'est que quelqu'un a oublié son régime. Je peux plus manger cette salade. Attends, je sais qui peut le faire. Comment ça, tu n'en mangeras pas? Toi aussi? N'y pense même pas. J'en veux pas non plus. Traître. Vous ne me laissez pas le choix. Hypnose. D'accord. Comment pourrais-je oublier ça? Quelle journée fatigante! Il est temps de dormir. Je t'ai eu amoureux du sang! Ah! Quel cauchemar! Papa, c'était une blague! Papa, ça va? Papa! Je t'ai eu! Ah! Oh! C'était moins une! Tes vêtements! On pourra pas les laver! Maman va nous tuer! Mais elle saura pas si on arrange ça! Tu sais quand est-ce qu'on ne voit pas le rouge? Exactement, sur quelque chose de rouge! Cool, t'es un génie! C'est tellement unique maintenant! Oh, d'où ça vient? Il a dû sortir de la ventilation! J'ai trouvé son repère! Peut-être que l'araignée cache ses trésors ici! Et qu'est-ce que c'est que ça? J'en crois pas mes yeux!
Papa, et c'est la queue de maman? Oh! Fils, c'est parce que tu... Papa est une maman maintenant! Non, non, non! Je voulais juste connaître sa taille! Et pourquoi t'es couvert de toile, toi? T'étais où? Tu veux ramasser toutes les mouches de la maison? Heureusement que j'ai un gant pour chien! Je crois que ça ramasse les toiles aussi bien que les poils de chien! Bon garçon! Papa, mais je suis pas un chien! Et si tu invites un loup-garou et qu'il perd ses poils? Tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas? Regarde ce que j'ai! Allez, apporte une sucette à papa! Mais qu'est-ce qui va pas avec cette queue? Comment est-ce possible? Ok, je vais en essayer une autre. C'est une blague? Arrête! Chérie, t'es enfin prête! Allez, je t'emmène à l'école. Mon fils, j'ai tout ce qu'il faut. Bonne journée, mon amour! Sois un bon garçon! Oh, t'es nouveau? Viens avec nous! Bye! Phew, enfin, je peux être moi-même. Mmh. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas d'importance. Il est trop cool! Oh. Si mes calculs sont corrects, il est ici. Ouais, c'est lui! Qu'est-ce qui pourrait être mieux qu'un pique-nique dans la nature? Eh, n'y pense même pas! Je le suis depuis des mois! Oh. Rien ne viendra gâcher cette soirée. Eh, sors d'ici, je m'appelle Ruby! Et de ce côté, tu es encore plus beau. J'espère que tu feras le bon choix. Je comprends pas. Je voulais pas en arriver là, mais je dois le faire. Eh, beau gosse. Oups, j'ai pas fait exprès. Burk, et tu veux même pas le laver? Loser. Encore? Et moi, beau gosse? Tu crois qu'on est fait l'un pour l'autre? Vous êtes fait l'une pour l'autre. Toi aussi, t'es une loseuse. Ça doit être une blague. T'as oublié quelque chose? C'est une énorme différence. Bon, j'en ai assez de vous deux. Bye! Tu lui as fait peur, c'est à cause de toi. Je l'ai vu en premier. Lâche ça. Non, c'est à moi. T'es si méchante, je peux le faire moi-même. Waouh, ça a toujours été aussi spacieux. Les riches savent comment rendre tout beau. Un tableau? Je ne peux que découper des personnages dans un paquet de céréales. Waouh, ouch! Fais place à la princesse. Est-ce qu'elle a des chaussures en or? C'est la nouvelle collection. Ça fait mal! Madame, vos achats. C'est pas grave, de grandes choses arrivent. Et débarrassez-vous de ce foyer de pauvreté. Ok. C'est bon. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser la classe à faire pour vous envoler. Merci d'avoir utilisé nos services. Et pourquoi les riches sont-ils si cruels? Elle est arrivée. Madame, votre masque. Merci, exactement ce dont j'ai besoin. Bientôt, je deviendrai un vampire. Ah, elle veut me devancer? Non, elle ne le fera pas. Oh non, j'ai même pas de maquillage. Et j'ai mangé les ombres à paupières. Que dois-je faire? Je sais, je crois que j'ai une idée. Agent spéciaux doit... Vous avez une tâche sérieuse à accomplir. Super, maintenant on peut travailler avec ça. Notre masque sera naturel. Un mixeur sera bien utile. C'est encore mieux. On charge nos fruits et légumes dans le récipient et on le met en marche. C'est prêt! On peut essayer. On verse le tout dans le moule. Quelle beauté! On doit attendre que ça refroidisse. Mais quand je serai un vampire, je n'aurai plus besoin de masque. C'est bientôt prêt. Ah! Enfin! Troum, trick! Et le masque est sur le visage. Quoi? Comment c'est arrivé là, ça? Eh, c'est pas une assiette! Berk, je ferais mieux de brûler ça. D'accord, voyons ce qu'il y a ensuite sur la liste. Je vais m'occuper de ma tenue. Parfait, j'ai tellement de vêtements magnifiques. Madame, votre garde-robe. Non, c'est pas ce dont j'ai besoin. Je veux un look complètement différent. Voici votre carte de chambre d'or. Heureusement que tu l'as. Paye. Waouh, c'est ce dont j'ai rêvé. Merci. Ça lui va comme un gant. J'ai les meilleurs tailleurs. Quoi? Oh, vraiment? J'ai aussi un costume de vampire. C'était pour Halloween dernier, mais quand même. Je vais le secouer un peu et ce sera comme neuf. Vérifions mon maquillage. Oh non, ça va pas. L'ombre dorée montrera à quel point je suis exclusive. Troum trick. Waouh, la tendance la plus cool de l'année. Vous avez aimé notre nouvelle vidéo? Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. À la prochaine fois!